Bonjour, ici Jean-Valéry et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Comment avoir confiance en soi ?» Vous savez, votre réussite immobilière va dépendre de trois grands facteurs. Premièrement, ça va dépendre des techniques et des méthodes que vous connaissez pour bien investir dans l'immobilier. Deuxièmement, votre réussite va dépendre de votre rapport avec l'argent. Et enfin, et je dirais même surtout, votre réussite va dépendre de votre état d'esprit. Donc, comment avoir confiance en soi? Pour moi, la confiance en soi est liée à l'estime de soi, qui est liée à la valeur que vous vous donnez, comment vous vous voyez vous-même. C'est pourquoi j'ai décidé de structurer ma vidéo de la manière suivante. Dans une première partie, je vais vous expliquer en trois points pourquoi est-ce que vous avez de la valeur. Dans une deuxième partie, je vais vous expliquer quels sont les freins qui vous empêchent de prendre conscience de cette valeur. Donc, quatre raisons qui vous empêchent de prendre conscience de votre valeur et qui ont donc un impact négatif sur votre confiance en vous. Et troisième partie, je vais vous donner quatre actions à faire pour que vous puissiez prendre conscience de cette valeur, donc améliorer votre estime de vous-même et donc améliorer votre confiance en vous. Donc, on y va, c'est juste après la citation inspirante. Donc, comme vous le voyez, le décor est un petit peu particulier, hein, donc je ne suis pas en France. Je suis à l'étranger, je suis principalement en Haïti, donc Haïti qui est mon pays d'origine. Je suis dans un village qui s'appelle Galette-Chambon, donc qui est un village qui est à 40 km de la capitale, qui est Port-au-Prince. Bon, c'est un voyage, on va dire, à caractère humanitaire. Ça fait du bien un peu de venir, revenir aux sources et puis pouvoir aider les gens. Ça permet de remettre certaines choses en place. Donc voilà, je vous montre un petit peu le paysage. Voilà, c'est le village. Donc, si vous entendez des bruits d'animaux, des gens qui parlent un peu devant, vous inquiétez pas. J'espère que ça va pas trop vous gêner pour la vidéo. Donc, si vous regardez cette vidéo pour la première fois, je vous invite à faire les deux actions suivantes. Vous vous abonnez à la chaîne, comme ça vous serez sûr de recevoir les notifications pour les autres vidéos. Et si vous souhaitez investir dans l'immobilier et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à prendre vos cadeaux de bienvenue. Mon étude de cas, 2 immeubles en 3 mois. Plus mon e-book « Les 10 commandements d'investisseurs à succès », vous trouverez le lien dans la description. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, profitez-en. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Première partie, pourquoi est-ce que vous avez de la valeur? Donc je vais aller vite en 3 points. Premier point, vous avez de la valeur parce que vous êtes unique. Vous êtes unique, personne n'est comme vous. Donc on sait que tout ce qui est rare est cher, vous, vous êtes plus que rare, vous êtes unique. Deuxième point, lorsque vous êtes venu au monde avec des qualités naturel, des talents, des capacités. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous savez faire que peu de personnes savent faire. Et si vous vous dites « oui, mais moi, tout ce que je sais faire, il y a plein de gens qui savent le faire », eh bien, dites-vous que vous, lorsque vous le ferez avec votre empreinte, votre patte, votre sensibilité. Et ça, c'est très important. Si je demande à 5 mères de famille de me faire un gâteau au chocolat, fait maison, eh bien, j'aurai 5 gâteaux au chocolat différents. Parce que chaque mère de famille aura apporté sa patte, son empreinte, sa sensibilité. Et enfin, troisième point, vous avez de la valeur parce que vous êtes la solution au problème de quelqu'un. Vous savez, ici sur Terre, on a tous des qualités, des capacités. Au même titre, vous, vous avez des objectifs à atteindre. Donc, vous avez besoin peut-être de quelques personnes qui seront à vos côtés, qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Au même titre, par rapport à vous, par rapport à vos qualités, par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à ce que vous savez, vous êtes la solution au problème de quelqu'un. Donc, pour ces 3 points-là, vous avez de la valeur. Deuxième partie, quels sont les freins, donc quelles sont les raisons qui vous empêchent de prendre conscience de cette valeur, donc les raisons qui ont un impact négatif sur votre confiance en vous. Donc, j'ai 4 raisons à vous partager. La première raison, c'est ce que j'appelle la masse, la pression sociale, la société. Vous savez, la société a un certain schéma, du moins propose un certain schéma. Et lorsque vous sortez de ce schéma, ça veut dire que si vous avez des objectifs qui n'entrent pas dans le cadre de la société, que les gens n'ont pas l'habitude de faire, eh bien forcément, vous allez avoir des gens autour de vous qui vont essayer de vous décourager. Donc soit les gens qui vont essayer de vous décourager, ça va être des personnes qui peut-être auraient voulu faire ce que vous souhaitez faire, mais qui n'ont pas osé, mais du coup, qui auront du mal à supporter que vous, vous réussissiez. Ou alors, ça peut être vos proches.
Et si c'est vos proches qui essayent de vous décourager, c'est pas forcément malveillant de leur part, c'est juste qu'ils vous aiment et qu'ils veulent vous protéger, mais qu'ils sont dans ce cadre de la société, ils ont un état d'esprit qui est comme celui de la société, donc du coup, ils ont du mal, ils vont essayer de vous protéger. Donc vous, il faut que vous soyez au-dessus de cela. Deuxième raison, donc il peut avoir un impact sur votre confiance en vous, ce sont les habitudes. Si vous souhaitez atteindre des objectifs et que vous gardez vos vieilles habitudes, si vous souhaitez changer, il faut que vous puissiez changer vos habitudes actuelles. Vous ne pouvez pas espérer être une autre personne ou espérer avoir atteint tel résultat si vous continuez de faire les choses que vous faites actuellement. Je vous donne un exemple. Admettons que vous souhaitez investir dans l'immobilier, que vous ne l'avez pas encore fait, et que vous vous dites, tiens, je vais investir dans l'immobilier, donc je regarde les annonces sur Internet, et que vous ne faites que ça. Vous regardez les annonces, et vous ne faites que ça. Eh bien, à un moment donné, il faut essayer d'aller faire plus que regarder les annonces. Ça veut dire qu'il va falloir appeler, décrocher votre téléphone, appeler les agences immobilières, contacter des agents immobiliers pour dire ce que vous recherchez, et surtout, il va falloir vous bouger et faire des visites. Visiter. Si vous gardez juste l'habitude de regarder les annonces sans faire plus, eh bien, ce qui va se passer, vous n'allez pas atteindre vos objectifs, vous n'allez pas passer à l'action, vous allez vous décourager, ça va avoir un impact sur votre estime de vous, et ça va avoir un impact négatif sur votre confiance en vous. Troisième raison qui vous empêche de prendre conscience de votre valeur, eh bien, c'est la comparaison. Ça veut dire que vous vous comparez avec d'autres. Si vous vous comparez de la mauvaise façon, c'est très mauvais. C'est-à-dire que si vous vous dites « moi, je veux atteindre tel objectif », et que à côté de vous, il y a quelqu'un qui a le même objectif que vous et qui a réussi avant vous, peut-être, ou mieux que vous, vous allez vous dire « ah mince, lui, il a réussi, elle a réussi, pourquoi pas moi ?» Vous allez vous comparer et il n'y a rien de pire pour vous saper le moral. Si ça vous sape le moral, ça vous décourage, ça a un impact sur votre estime de vous, ça a un impact négatif sur la confiance que vous avez en vous. Ce qu'il faut, si vous vous comparez, c'est de manière positive. Si vous voyez quelqu'un près, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui a réussi ce que vous voulez réaliser, premièrement, réjouissez-vous pour cette personne. Dites-vous « ah, c'est bien ce que tu as fait, c'est super » et ensuite, inspirez-vous de cette personne. Essayez d'apprendre de cette personne pour pouvoir savoir comment cette personne a fait et que vous puissiez faire pareil avec votre empreinte, votre patte, votre sensibilité à vous. Et enfin, quatrième raison qui peut vous freiner, qui peut vous empêcher de prendre conscience de votre valeur, eh bien, ce sont les peurs et les craintes. Peur, crainte, inquiétude, je mets tout dans le même panier. Alors, l'homme, avec un grand H, hein, homme et femme, est une grande machine à inquiétude. On s'inquiète pour tout. On s'inquiète même pour des choses qui n'arriveront probablement jamais. Maintenant, les peurs, les craintes et les inquiétudes, si elles existent, c'est qu'elles ont un rôle. Leur rôle, c'est d'être des garde-fous pour nous permettre d'évaluer, d'estimer les risques. Donc c'est pour ça que les peurs, les craintes existent. Mais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut que nous fassions, c'est que nous allions au-delà de ça. Une fois qu'on a des peurs, des craintes, des inquiétudes, donc ça veut dire que derrière tout ça, il y a des risques, il faut qu'on puisse évaluer les risques et mettre en place des actions pour essayer de couvrir au maximum ces risques ou pouvoir les réduire. C'est comme ça que vous pourrez avancer. Mais malheureusement, les peurs, les craintes, les doutes, elles ont tendance à nous paralyser. Et si les peurs, les craintes, les doutes vous paralysent, eh bien vous n'allez pas passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, eh bien vous n'aurez pas de résultat. Si vous n'avez pas de résultat, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, ça aura un impact sur votre estime de vous. Si ça a un impact sur votre estime de vous, ça aura un impact négatif sur votre confiance en vous. Donc, notez bien ces quatre raisons. Il faut vraiment en prendre conscience pour que vous puissiez être au-dessus de tout ça. Et enfin, troisième point, je vais vous donner quatre actions qui vont vous permettre de prendre conscience de votre valeur, qui donc du coup va augmenter votre estime de vous-même et donc va avoir un impact positif sur votre confiance en vous. Première action que je vous invite à faire, vous prenez une feuille de papier et vous écrivez toutes vos qualités. Voilà, vous les écrivez, toutes vos qualités, tout ce que voilà, vous connaissez. Vous verrez, vous serez surpris. Deuxième action que je vous invite à faire, sur cette même feuille de papier, vous notez toutes vos réalisations. Donc vous notez tous vos succès, toutes vos réussites, hein, vous les notez bien.
et vous verrez que vous serez également surpris. Le fait de faire ces deux exercices, ces deux actions, c'est une très bonne chose parce que vous allez vous rendre compte que finalement, il y a plein de choses que vous savez, que vous avez beaucoup de qualités et que dans les réalisations que vous avez déjà faites, eh ben, qu'il y a pas mal de succès et de réussite. Troisième action que je vous invite à faire, je vous invite à demander à un ou deux amis à vous, des amis proches, hein, des personnes en qui vous avez confiance, de leur demander très honnêtement quelles sont vos qualités. Comme ça, eux, ils vous répondront et vous serez sûrement étonné parce que peut-être qu'ils vous diront des choses dont vous ne vous doutez même pas. Donc, faites bien cette action-là, vous verrez que vous serez surpris par ce que pourraient vous dire vos amis. Et enfin, quatrième action que je vous invite à faire. Alors, cette action, je l'appelle groupe d'entraide parce qu'il y a plusieurs choses dessous. Vous pouvez soit avoir un SPI, ce qu'on appelle un sparring partner immobilier. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Pour moi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aura à peu près le même niveau que vous en investissement immobilier et vous allez avancer ensemble et pouvoir vous soutenir. Si vous n'êtes pas dans le domaine de l'immobilier, c'est pareil. Hein, si c'est pour l'entrepreneuriat ou autre chose, c'est le même principe. Deuxième chose, toujours dans le groupe d'entraide, vous pouvez soit faire partie d'un groupe d'investisseurs ou d'un groupe d'entrepreneurs, donc constitué de gens qui font la même chose que vous, qui ont les mêmes objectifs que vous, et donc ensemble vous allez pouvoir avancer et vous conseiller et vous motiver. Et enfin, vous pouvez aussi avoir un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà réalisé ce que vous souhaitez réaliser, quelqu'un qui va accepter de vous suivre, de regarder de vos actions, ce que vous faites, qui va pouvoir vous conseiller, mais de la bonne façon, et donc qui va pouvoir vous motiver. Donc je vous invite vraiment à faire les quatre actions que je viens de citer. Et pour terminer, je vais vous donner une image. Donc ça, c'est un petit bonus. Quand j'ai une image, je vais vous donner une métaphore pour que vous puissiez bien prendre conscience de votre valeur. C'est une métaphore, une image que j'ai lue dans un livre de Yvan Castelnau. Hein, donc c'est un livre chrétien, c'est un pasteur. Le livre s'appelle « Ça suffit, il faut que ça change ». J'aime beaucoup ce livre. Eh bien, dans ce livre, Yvan Castelnau explique qu'il a assisté à une conférence. Et pendant cette conférence, le conférencier a fait quelque chose d'assez particulier. L'objectif était de faire prendre conscience aux gens qu'ils avaient de la valeur. Alors, je vais essayer de faire pareil. Le conférencier, il a pris un billet de 500$. Alors, attendez, je sors un billet de ma poche. Alors, bon, je vous demande pardon, hein, je ne suis pas aux États-Unis. Je n'ai pas 500$. Je suis en Haïti. Donc ça, c'est 500 gourdes. C'est 500 gourdes. Voilà. Le conférencier, il a pris le billet. Et il a demandé aux gens, est-ce que vous voulez ce billet? Les gens ont dit oui. Ensuite, le conférencier, ce qu'il a fait, il a serré le billet comme ça, il l'a chiffonné, il l'a froissé. Et il a demandé à l'assemblée, il a demandé donc aux gens qui le regardaient, est-ce que vous voulez toujours ce billet? Les gens ont dit oui. Le conférencier, ce qu'il a fait après, il a jeté le billet par terre, il a marché dessus, il a sauté dessus. Bon, là, je ne vais pas le faire. Il a marché dessus, il a sauté dessus. Et ensuite, il a repris le billet comme ça et il a dit aux gens à l'Assemblée, est-ce que vous voulez toujours ce billet? Et les gens ont dit oui. Les gens ont dit oui parce que ce billet de 500$, eh bien, même s'il est froissé, chiffonné, même s'il a été piétiné, eh bien, il vaut toujours 500$. Bon, là, c'est des gourdes, hein, c'est pas des dollars. Eh bien, ce que je tiens à vous dire, moi, par rapport à ça, et c'est ce que le conférencier a dit également, eh bien, si vous, peut-être dans votre vie, vous avez été peut-être froissé par des échecs, ou alors vous avez peut-être été piétiné par des gens, eh bien, cela n'enlève en rien à votre valeur. Et vous, vous valez 1000 fois mieux que 500$. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si parfois vous vous dites « Ah oui, mais non, mais je ne sais pas comment je vais faire, et puis la dernière fois, j'ai raté, j'ai perdu, j'ai eu des échecs, et que vous êtes senti froissé ou piétiné », sachez que votre valeur reste intacte. Et je dirais même que votre valeur, elle augmente, parce que si vous avez déjà eu des échecs dans votre vie, eh bien ces échecs, vous pouvez les transformer en force. Ça veut dire que ces échecs sont donc des expériences, sont donc des choses qui vous ont permis d'apprendre. Donc surtout, n'oubliez pas, quoi qu'il puisse vous arriver de moins bon,
un échec, surtout ne remettez pas en cause votre valeur. Ne remettez pas en cause votre valeur. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce partage immobilier. J'espère qu'il vous a plu. Puisqu'on arrive à la fin de la vidéo, je vous invite à la clapper. Donc, clapper, ça veut dire commenter là, likez là, abonnez-vous. Waouh, il y a des moustiques. Abonnez-vous et partagez là. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a motivé? Mais dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé en commentaire. En commentaire, dites-moi aussi si vous avez déjà investi dans l'immobilier ou pas. Ça, j'aime bien savoir ce genre d'informations. Surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Mais surtout, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui aurait besoin de cette vidéo selon vous, partagez-la, partagez-la, partagez-la. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas avoir confiance en soi. Ça nous paralyse, ça nous empêche d'avancer. Donc, partagez la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un nouveau partage immobilier. Donc, comme je le dis dans chaque vidéo, avant de vous dire au revoir, n'oubliez pas, mais surtout n'oubliez pas que vous avez de la valeur. Merci beaucoup et à très bientôt. Bah.